What's up tout le monde, c'est Ress, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News et aujourd'hui ça vaut vraiment vraiment le coup. Petite intro un peu spéciale d'ailleurs, hein. je sais pas quel ton de voix j'ai pris mais c'était un peu chelou. Donc oui, alors c'est à propos de l'iPhone 6 à laquelle je mettrai, donc je vous le dis directement, le lien d'une vidéo dans la description. Malheureusement je peux pas vous montrer la vidéo ici parce que voilà, je vais avoir des problèmes de copyright tout ça, donc c'est dans la description à laquelle vous pouvez en fait voir carrément le futur écran de l'iPhone 6 qui est un écran en saphir, à laquelle ça a été confirmé tout ça par Apple. Pour l'instant il n'y a pas réellement beaucoup d'infos, mais déjà on sait que l'écran sera en saphir. Et c'est donc, qu'est-ce que c'est que ça en gros? Voilà, les gens ils vont se dire c'est cool d'avoir un écran en saphir, mais vraiment à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est que réellement ce type d'écran là? Et bien c'est tout simplement un écran super résistant en fait, c'est à dire que ce mec là il va faire plein de tests dans la vidéo. Il va par exemple prendre ses clés, enfin vous savez souvent on a ce genre de problème avec des rayures ou des trucs comme ça sur l'écran. Et ici c'est un écran un peu il peut pas être rayé. Voilà, déjà première chose, c'est il va vraiment faire des tests avec ses clés, il va forcer même dessus, hein, des choses que je pense qui devrait pas arriver avec votre iPhone 6 si vous le prenez. Ou il va même prendre voir un couteau et il va en fait carrément glisser en fait la lame sur l'écran pour voir si ça va pas faire des rayures, et ça fait rien du tout. Donc avec ce nouvel iPhone, ce qu'on sait déjà c'est qu'il y aura une meilleure autonomie, il y aura une plus grosse puissance. Pour l'instant on ne connaît pas réellement les caractéristiques à part des rumeurs qui tournent tout ça, mais c'est pas intéressant. Il y aura une meilleure prise en main, tout ça, et vraiment ici ce qu'on nous donne comme info c'est la solidité, c'est à dire c'est au niveau de l'écran, hein, appelé par Apple écran ultime, qui aura vraiment pour objectif, déjà c'est un écran souple et voilà, c'est un écran en fait finalement un truc incassable quoi, c'est à dire qu'il peut pas être rayé, ça c'est au top, il peut pas se casser et voilà, il est souple. Bon, je pense que le smartphone devrait pas être souple, l'iPhone 6, hein, c'est pas un iPhone, un smartphone incurvé ou un truc comme ça, mais quelque part ouais, j'ai vu ça comme info et je me suis dit c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous partager, parce que voilà, c'est quand même quelque chose quoi, c'est la première fois que je vois en tout cas en vidéo un écran saphir, et en fait c'est un écran voilà finalement un peu incassable tout ça, et c'est vrai que c'est plutôt sympathique ce genre d'écran. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi honnêtement je vois comme ça et puis je me dis ah ouais, finalement c'est vrai que là on voit que Apple, voilà, ils ont travaillé sur quelque chose de nouveau, et je pense qu'il était un peu temps quand même de vraiment donner de l'innovation à peu près à tout ça. Et ici, avec cet écran-là, donc en saphir, voilà. Donc, c'est une petite vidéo un peu comme ça, hein, courte breaking news, à laquelle, bah voilà, dans la description, il y aura le lien de cette fameuse vidéo qui a énormément buzzé. Et bah c'est vrai que c'est plutôt choquant, donc il explique lui-même, donc, qu'est-ce qu'il fait comme test, tout ça. Et voilà, il explique, on va dire, la qualité de la vitre, en fait, et comme quoi ils sont en développement, et normalement l'appareil iPhone 6 on devrait le retrouver en fin d'année. Voilà, merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page YouTube personnelle. Merci pour tout, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.